Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, un nouveau haul. Je suis allée en fait sur Vinted et j'ai trouvé des petites choses qui m'intéressaient, des petits livres etc qui étaient vraiment pas chers pour ce que c'était. Et le prix basique de ce que j'ai pris était le double voire le triple. Donc j'ai pu acheter pas mal de petites choses sur Vinted grâce à ma cagnotte sur Vinted. Dès que je vends un produit, bah, ça se met sur une cagnotte. Donc soit vous mettez cet argent sur votre compte, soit vous rachetez d'autres choses. Donc moi j'ai mis une partie sur mon compte et une autre partie je le laissais au cas où si j'avais envie de m'acheter des livres, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté pas mal de petits livres que je vous montrerai juste après. J'ai ensuite reçu des maillots de bain de chez Cupshe. Ça je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo là dessus, je l'ai pris en petit. Ils font des maillots de bain d'une très très bonne qualité, et j'ai ensuite pris des trucs sur Beauté Privée. J'avais des bons à utiliser avant mi-août, donc j'ai préféré les utiliser maintenant parce qu'ils faisaient des bonnes promotions. Donc en gros, bah j'ai rien payé. J'adore ce genre de haul, on ne paye strictement rien. Ça c'est le goal d'une vie, tu vois. Comme vous pouvez voir dans le fond, il y a Bichette. Ah, bébiche. Et à côté, il y a Birdie, mais on la voit pas. Birdie, t'es là? Birdie, fais coucou la caméra. Donc je vais vous montrer les maillots de bain de chez Cupshe. Je les ai pas essayés, donc je vous montrerai juste après vous l'avoir montré ce que j'en pense. Mais en gros c'est une marque de maillots de bain qui se vend soit sur internet, soit sur AliExpress. Vous avez les maillots de bain un peu moins chers que leur site des fois, ça dépend. Soit c'est mieux de l'acheter sur AliExpress, mais la livraison est beaucoup plus longue. Soit vous l'achetez directement sur le site de Cupshe, que je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment. La livraison est très rapide, je les ai reçus en une semaine et demie. Et c'est pas plus cher que sur AliExpress, donc ça dépend. Faites comme vous voulez, mais c'est exactement le même produit. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer 5 maillots de bain de mon choix, donc je les ai choisis. Et c'est vrai que comme je vous ai dit la dernière fois, les tailles partent très très vite parce que c'est des bons maillots de bain, et dès qu'ils sortent une nouveauté, ça part à une de ces vitesses de fou. Donc je vais vous montrer. Donc déjà ils sont dans des petites pochettes comme ça. Je les trouve vraiment très jolis et ça m'est vraiment utile parce que la dernière fois je suis allée à la piscine. Je sais pas si vous avez vu mon vlog qui était extrêmement chiant parce que j'ai perdu toutes les vidéos que j'ai faites à la piscine. J'étais vraiment trop dégoûtée sur mon téléphone et tout est parti, je ne sais où. Si un jour je les retrouve, je vous les remontrerai. Mais le vlog est dans le petit si vous l'avez pas vu. Donc j'ai utilisé ces pochettes là pour mettre tout ce qui était mouillé, gel douche, etc. C'est vraiment pratique. Et j'ai pu mettre mon maillot de bain, tout ça, mes culottes, mes soutifs, etc. Donc c'est vraiment pratique ce genre de petite pochette. Vous pouvez même l'emmener en vacances pour votre trousse de toilette ou je ne sais quoi. Donc bah j'ai pris ce maillot de bain. Enfin tous les maillots de bain sont en taille M normalement si je me trompe pas. Donc j'ai pris quand même pas mal de maillots de bain une pièce. Je sais pas pourquoi, je les trouve trop beau. D'habitude je trouve pas ça beau les maillots de bain une pièce, mais celui que j'ai pris la dernière fois était vraiment trop trop beau et tout le monde m'a dit que ça m'allait bien. Donc je me suis dit vas-y, je vais reprendre des maillots de bain une pièce parce qu'ils étaient sont trop beaux. Donc j'ai pris celui-ci, je vous mettrai une photo juste là comment c'est, mais je vous montrerai à portée bien évidemment. Donc au niveau du soutien-gorge, bah, c'est des fleurs, ensuite c'est rayé sur le ventre, c'est des fleurs sur le derrière. Les fleurs sont magnifiques, la qualité comme d'habitude est très très bonne. Le bonnet est bien, enfin il n'y a pas de rembourrage, donc ça fait pas mal au sein. Le seul petit hic, je dirais, je sais pas, on verra ça à portée. J'ai peur que ça me grossisse avec les rayures comme ça, j'ai pas du tout fait gaffe quand je l'ai pris. Celui-ci, bah, je l'aime bien, au final je trouve pas qu'il me grossisse énormément. J'aime bien les motifs, voilà, la petite rose ici elle est vraiment belle. Et j'aime beaucoup le dos avec les petites fleurs ici. Donc vraiment celui-ci je l'aime bien, et il est très agréable à porter, vraiment j'ai rien à dire, il est parfait. Ensuite j'ai pris toujours en taille M un maillot de bain deux pièces, là je crois que c'était deux pièces. Donc ça c'est le haut, donc le haut il y a des petits citrons, tout ça, s'il est vraiment trop 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 beau, je surkiffe. Et en fait en dessous du volant c'est rayé. Donc je trouve ça trop trop beau. Enfin, je trouve que ça fait joli, c'est assez original. Donc vous verrez, tous les maillots de bain là, sur le site sont vraiment trop beaux, d'une super bonne qualité. Ça fait penser un peu à la qualité de Banana Moon. Je sais pas si vous avez déjà des maillots de bain comme ça. C'est des maillots de bain qui durent et ça c'est à peu près la même qualité que ça. Et la culotte est comme ceci. Donc c'est une culotte assez haute en citron. Et en fait l'intérieur c'est rayé. Donc ça, j'ai jamais vraiment testé les culottes hautes. Je ne sais absolument pas si ça fait mémère ou pas sur moi. C'est l'occasion de tester, écoutez. Donc je vais voir ça, mais en tout cas le motif est vraiment très joli, hein. Les citrons, la couleur bleue, tout ça, ça va vraiment bien. Alors pour celui-ci, il est juste parfait. Je savais pas que cette, je sais pas, cette espèce de culotte haute mirait. Enfin moi en tout cas j'aime bien, je trouve que ça prend bien les courbes de mes hanches. Et ça fait pas du tout mémère. Niveau des fesses ça va, enfin c'est pas trop échancré. J'aime bien cet effet un peu de double motif, double matière, je sais pas, c'est trop bien. Après il est un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu large au niveau de là. Faudrait peut-être un tout petit peu plus le serrer ou le réajuster parce que il y a des
Parce qu'en fait on peut réajuster les bretelles, donc je sais pas s'il faut que j'ajuste mieux mes bretelles ou pas. Mais en tout cas il est très très beau, j'aime vraiment beaucoup. J'ai complètement zappé de vous le dire dans la vidéo. Maintenant ils font en des maillots de bain où tu peux choisir et le haut et le bas pour la taille. Avant c'était une taille unique, genre tu prenais le M, c'était M en haut, M en bas. Et ben là maintenant ils ont changé, enfin ils ont changé, ils ont rajouté quelques maillots de bain où on peut choisir la culotte ou le soutien-gorge. Donc je suis trop contente qu'ils aient pris en considération ce qu'on a dit, ce qu'on vous avait dit aussi sur YouTube, parce que je leur ai dit voilà c'est dommage que vous faites pas de taille différente, et ils m'ont envoyé un lien, ils m'ont fait bah voilà on peut faire ça, et ils m'ont montré et je suis trop contente, vraiment trop 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 contente. Donc voilà, vous pouvez choisir vos maillots de bain avec différentes tailles, mais celui-ci est vraiment trop joli. Vraiment j'aime bien. Et on peut aussi donc le renverser le maillot de bain, c'est-à-dire que soit vous choisissez ce motif-là, soit vous choisissez ce motif-là. Donc je préfère l'autre côté, mais s'il y a des gens qui préfèrent le rayer, et ben écoutez, vous pouvez inverser les motifs, donc ça c'est vraiment super bien. Donc c'est vraiment une très bonne idée ce qu'ils ont fait, mais je préfère le côté citron. Et ensuite ce maillot de bain que je trouvais vraiment trop joli, un peu style corset. Je sais pas pourquoi, genre c'est peut-être les coutures. Il est trop beau, regardez-moi ces fleurs. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et le derrière est comme ceci. Donc c'est à chaque fois les culottes elles sont bien, elles sont pas en mode tanga, on voit toutes tes fesses. Elles sont bien, c'est des vraies culottes, c'est pas des culottes qui vont te rentrer dans les fesses, qui vont partir à gauche, à droite, je ne sais où. Ensuite celui-ci il est vraiment trop beau, j'adore cet effet un peu corsé. Je trouve vraiment magnifique. Le seul petit hic, mais vraiment un petit hic, c'est que là ça fronce. Genre je sais pas pourquoi, il doit y avoir un petit défaut. Mais là ça fronce des deux côtés. Donc vraiment c'est minime, hein. Je suis très pointilleuse là-dessus. Mais sinon il est parfait, vraiment. Enfin j'aime bien, je trouve ça très joli. Et c'est pas échancré au niveau de la nénette, tout ça, ni niveau des fesses. Mais très très beau. Oh, j'adore cet effet un peu corsé là, c'est magnifique. Ensuite ça je sais pas du tout si ce genre de modèle me va sur moi. C'est les One Shoulder, c'est une épaule. Donc je sais vraiment pas du tout si ça va m'aller, mais en tout cas la qualité est très jolie. C'est une matière, je sais pas comment vous dire, c'est une très belle matière. Les coutures sont assez jolies je trouve. Par contre à la caméra il paraît bleu clair, mais il est un peu plus bleu canard. Hein. C'est pas le même bleu je trouve. Écoutez on va tester. Et il y a des petits bonnets aussi, donc ça c'est cool. Et la culotte a l'air pas mal aussi. Mais je trouve que c'est pas un maillot de bain pour aller à la plage, pour aller se baigner. C'est plus un maillot de bain je pense pour faire des photos. Vraiment pas pour se baigner, enfin je trouve pas trop... Enfin je sais pas, à tester pour se baigner, mais je vois plus pour faire des photos. Ce qui serait plus joli en photo que mouillé à la plage. Mais en tout cas la qualité est vraiment très belle et je sais pas ce que vous en pensez, le côté un peu one shoulder sur moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais j'aime bien la matière, en fait elle est très agréable. Ah, il y a un petit qui vient de se réveiller. Bonjour toi, tu dis bonjour à la caméra. Bonjour tout le monde. Vous me faites chier, ça se voit. Et ensuite le dernier, c'est un autre maillot de bain, une pièce. Comme je vous ai dit, j'ai pris quasiment que d'une pièce. Alors celui-ci, je suis un peu moins fan, je sais pas. À la caméra il ressort bien. Un peu plus près on dirait qu'il est pixelisé. Je sais pas comment vous dire ça. Est-ce que ça va bien le faire? Oh, on voit pas trop. Mais j'ai l'impression que c'est pixelisé. Je sais pas. Là, franchement, avoir porté, on dirait pas que c'est des vraies fleurs. On dirait que c'est des fleurs qui ont été pixelisées. À la caméra, elle sent vraiment bien. Oh, il est beau à la caméra. Mais en vrai, je sais pas comment te dire. Ouais, je sais pas. Donc celui-ci, je pense pas au niveau motif que je vous conseillerais après avoir porté ce que ça donne. Et bien, au final, celui-ci, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Même si c'est un peu pixelisé, bah je trouve que... Je trouve que ça va en fait, c'est pas moche, c'est beau. Je trouve la coupe est vraiment belle sur moi. C'est pas trop, bah voilà, c'est pas échancré au niveau des fesses. Le décolleté, bah il est normal en fait. Donc vraiment, j'ai rien à dire sur celui-ci. À part que le motif est un peu, enfin je sais pas, pixelisé pour moi. Mais en fait, non, ça va. Quand tu portes sur toi, c'est joli. De ce que je vois encore là, c'est de la très bonne qualité. C'est pas cher par rapport au prix en France, un Pinky, Jennifer. Quand pour le même prix, t'as un maillot de bain d'une qualité un peu plus médiocre chez Jennifer ou chez Pinky. Je compare avec eux parce que j'achetais souvent chez eux. Les maillots de bain, voilà, mais ça tenait qu'une seule saison, après ça se déformait. Là, les maillots de bain qu'ils m'ont envoyés, je les ai utilisés pour la piscine plusieurs fois, et ils tiennent vraiment bien, je les ai lavés, etc. Ils tiennent bien, ils bougent pas. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus, donc n'hésitez pas à les checker sur AliExpress ou sur le site de Capchi.fr. La livraison est beaucoup plus rapide, si vous voulez l'avoir d'ici deux semaines, commandez sur leur site officiel. Si vous voulez l'avoir d'ici un mois, commandez sur AliExpress.
ça dépendra du prix. Mais j'ai un code promo pour vous, c'est juste ici, c'est YouTube, enfin YT Elisa. Ça vous offre 10% de remise dès 70 euros d'achat, je crois que c'est ça. De toute façon, je vous remettrai tout là et en barre d'infos. N'hésitez pas à tester un maillot de bain à 15-20 euros. Pour moi, c'est le prix pour un maillot de bain, parce que les maillots de bain de chez Shein à 3 euros, ça tient pas. Désolé, j'ai déjà essayé, ça ne tient strictement pas. Un maillot de bain pour moi, c'est minimum 15 euros. Tu vois, sinon en dessous, ça tient pas une saison. Vraiment, ça tient pas. Donc n'hésitez pas à les tester. Si vous la testez, n'hésitez pas à me dire en commentaire et ou sur Instagram si vous avez commandé. N'hésitez pas à me dire sur Instagram. Pour moi, c'est important d'avoir le retour de mes abonnés sur ce que je vous présente. Si admettons, je vous présente un produit, vous n'êtes pas du tout satisfait, dites-le moi. Parce que comme ça, j'en parle directement à la marque et je leur dis en gros c'est quelle vérité. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours là-dessus. C'est très important pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, j'aime bien ces maillots de bain. Après, peut-être que vous les retrouvez moins chers ailleurs. J'en sais rien, moi je suis pas derrière mon ordinateur à chercher, enfin voilà, moi je vous présente ce que j'ai reçu et si vous trouvez moins cher ailleurs, prenez ce produit là moins cher, c'est une logique. Donc voilà, je ferme cette parenthèse et je vais passer au haul Vinted. Donc j'ai acheté vraiment pas mal de choses, je vais chercher dans ma bibliothèque le restant. Voilà, je vous rassure, j'ai pas acheté tout ça. Hein. Alors, je mets ça où? Ah, mon pied. Il y a ça qui est tombé sur mon pied. Ah, j'avais à avoir un bleu. Super, merci, c'est gentil, merci Dieu. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon haul sold, ma deuxième partie, je vous avais dit qu'il y avait le short de Camaïeu qui n'allait pas. Donc je me suis fait échanger avec ce sublime sac à main jaune. Il est magnifique. Il est un peu à effet croco, il s'ouvre comme ceci, il est en bandoulière. Et l'intérieur est vraiment bien, enfin, on a de quoi mettre un téléphone, portefeuille, etc. Et il se clipse et vraiment il est trop beau. Direct dès que je suis rentrée dans le magasin, j'ai complètement flashé sur ce sac à main. Donc voilà, il est vraiment très 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 joli. Et je me suis fait aussi rembourser la robe bleue et le petit débardeur. Sauf que le débardeur, je l'avais pas payé en fait. C'était le troisième produit soldé offert. En gros, j'ai payé 0€, mais quand j'ai inséré ma carte en fait, pour me faire rembourser, et qu'elle m'a dit, voilà, vous avez été remboursé de 10€, donc la robe. Je dis, bah, le t-shirt aussi, enfin, je sais pas. Elle fait, non, ça a été, vous l'avez payé 0€, donc on vous a remboursé 0€. Je dis, ouais, mais à ce compte-là, en fait, je le reprends le t-shirt, je le revends sur Vinted, je le donne à ma soeur, j'en sais rien, tu vois, genre je fais quelque chose avec. Au lieu de me faire rembourser 0€, c'est ridicule. Fait, ah bah trop tard, on vous a remboursé. Au revoir madame. Merci Pinky. Alors tout d'abord, je vous souhaiterais passer une annonce. Si quelqu'un vend ou voudrait vendre ses livres La Dynastie de Donald Duck, je suis à votre écoute. En fait, il y a une dame sur Vinted qui voulait bien me vendre la suite, le 2, 3, 4. Elle m'a donné son prix, tu vois. Sauf que je lui ai dit, bah faites une annonce et je le prends, quoi. Ça fait 10 jours que j'attends. Donc voilà, je suis dégoûtée. Donc bah si quelqu'un vend ce genre de livres sur Vinted, je suis à votre écoute, je veux bien les prendre, je veux bien les chercher. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou bah par mail si vous voulez. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires votre compte Vinted, comme ça vous fait un peu de pub. Les gens peuvent aller voir votre compte, moi aussi je peux aller voir votre compte si quelque chose m'intéresse, je vous l'achèterai, etc. Donc n'hésitez pas à mettre vos comptes Vinted en barre d'infos. Donc voilà, j'ai passé ma petite annonce. Donc en fait, chaque année, il y a en fait Donald, là, les trucs de Picsou qui font des éditions limitées, des éditions collector. Donc là, la dernière fois, c'était les agents pas trop secrets, donc c'est la PIA. Et là, c'était les trucs avec les pirates. Et j'adore en fait ce genre d'édition collector, c'est mes préférés de tous. Donc là, cette année, c'est pas sur Vinted que j'ai acheté ça, hein, mais cette année, ils ont fait donc Mission Pas Impossible de Picsou. Et en fait, ils te vendent les petits livres avec les truc en carton. Donc chaque semaine vous avez les nouveaux livres. Donc j'ai les trois, j'ai déjà acheté les trois je crois. Le 1 il doit être dans mon sac. Enfin bref, j'ai déjà acheté les trois et donc la semaine prochaine j'achèterai le quatrième. Donc en fait vous avez Picsou, Donald et Pop Pop, je crois que c'est lui, ouais c'est lui. Donc en fait ils font des missions d'agents secrets, ils doivent interpeller des criminels, etc. pour pas que ces criminels là prennent la fortune de Picsou. Enfin bref, que des trucs comme ça. Et vraiment c'est des super belles histoires, enfin moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je m'en lasse pas en fait, je m'en lasse vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais Bichette? Il va dans mes cartons. Mais t'arrêtes d'aller dans mes cartons. Et donc je me suis acheté, ça je l'ai acheté. Donc je me suis acheté d'autres Picsou, donc ça c'est les Picsou magazine. Avec le verso comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Tu vas tout faire tomber Bichette. Donc on a ça avec Picsou comme ça. Et nous avons les super Picsou géants. Donc c'est ceux-là.
Donc j'ai le 210 là-bas, j'ai le 212, le 211, le 212. Donc voilà, je me fais vraiment une petite collection. Ça coûte 4€. Moi j'adore, franchement j'adore et je m'en lasse pas. C'est les seuls livres que je lis. Donc j'ai envie de me faire plaisir avec des livres que j'aime. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme livre? Alors ensuite, je me suis acheté sur Vinted les 3 BD, les blagues de Toto, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Donc ça je l'ai acheté à une personne et ça je l'ai acheté à une autre personne. Donc c'était en gros 4€ le livre. Donc de base le livre coûte 9,95€ ou 9,40€. Voilà, et celui-là c'était 10,95€. Donc bah je l'ai eu à moitié prix avec les frais de port. Ça faisait en gros à 7€. C'est toujours moins cher que de l'acheter directement en magasin, 2€ moins cher. C'est déjà ça. Pour ça, ça fait une BD Picsou gratos, donc voilà. Et j'ai le 10e que j'ai payé 4€. Et vraiment je suis trop contente. J'ai toute la collection de Toto. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Donc je vais pouvoir les lire et les mettre dans ma petite corbeille avec tous les blagues de Toto. Et je cherche aussi les BD loups. Je sais pas pourquoi les gens, mais je demande à chaque fois, ouais, est-ce que je peux vous acheter un seul tome ou deux tomes de votre trio? Ils n'y répondent jamais. Alors oui, ok, tu veux vendre les 3, mais si tu peux vendre les 2. Pour un prix un peu plus cher. Donc ensuite je cherche les BD loups. Je sais qu'il y en a plein sur Vinted mais il n'y a personne qui me répond. C'est assez gênant. Donc là, si quelqu'un vend des BD loups, n'hésitez pas à me le dire. Mais il m'en manque genre les 3 derniers. Et voilà, après j'ai les blondes aussi, mais il me semblait que les blondes je les avais toutes. Et je sais pas où elles sont. Il me semblait mais vraiment que je les avais toutes. Mais impossible de les retrouver. Ensuite j'ai acheté un monsieur celle-ci. Ah bah voilà le premier de Mission pas impossible, regardez. Et en fait quand tu les remets ça te fait une petite image. Enfin, moi j'aime bien, voilà. Donc j'ai pris au monsieur la jeunesse de Picsou. Donc j'ai pris tout ça au monsieur, donc seulement pour 20€, sachant que tout ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 6, 36€. De base ça coûte 36€. Et je les ai eus à 20€. Donc je suis vraiment trop contente, c'est la jeunesse de Picsou. C'est des éditions aussi collector, c'est des hors-série si vous voulez. J'avais en fait cette série là en tome 7 et j'avais pas les autres tome 1 jusqu'à 6. Et là le monsieur les vendait toutes, j'étais en mode oh c'est super. Donc voilà, je trouve ça trop bien et c'est encore des histoires avec Picsou, sa jeunesse, tout ce qui s'est passé avant, comment il est devenu riche, etc. Ah, j'ai des autocollants. Trop contente, j'ai des autocollants. Donc voilà, je suis contente et voilà, c'est un kiff. Je trouve les images vraiment très jolies. Je suis trop contente de les avoir parce que c'est le genre d'édition que tu peux plus avoir. Tu peux plus les commander, je crois. J'ai ensuite acheté donc les trésors de Picsou pour aller avec la suite de ce que j'ai déjà. Donc c'est 5,95€. Encore une fois, j'adore Picsou comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un kiff Picsou. Vraiment, c'est un gros kiff. Et voilà pour les BD que j'ai acheté. Le seul petit problème dans une des BD, c'est qu'il y avait une page qui était déchirée. La personne ne l'a pas signalé dans la description. Moi c'est vrai que s'il y a un problème, je le signale directement en description. Je fais pas la surprise au mec qui achète mon produit. Je dis en description, ça c'est cassé, ça c'est fêlé, ça c'est machin. Voilà, et là elle l'a pas dit, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà pour tous mes livres. Ils sont vraiment trop beaux, je suis trop contente, ça me fait une bibliothèque de fou malade. Maintenant faut que je range ça dans la bibliothèque, ça c'est encore une autre histoire. Et sinon sur beauté privée j'avais des bons à utiliser comme je vous ai dit. Donc j'ai pris la Banana Dreams Powder, donc c'est une poudre pour fixer le teint. Et c'est une poudre jaune, donc au moins t'as pas le teint blafard tu vois, t'as le teint lumineux, pas trop blanc. Enfin voilà, moi j'aime bien, elle est super bien. Et j'ai pris donc le masque Garnier. C'est un masque en tissu, c'est marqué en espagnol. Je suis désolée, je parle pas espagnol. Togli la pellicola blue protectiva. Ah, enlever la pellicule de protection. Oh, Lascia agir per 15 minuti. Laissez agir pendant 15 minutes. C'est facile l'espagnol les gars, vous mettez des i, des o et des a à la fin de mot et c'est bon. Hein. Et c'est à l'acide hyaluronique amamélidé calmante. C'est quoi ça, amamélidé calmante? Aucune idée, bref. Ensuite, je me suis pris des vernis Essie. J'avais plus de vernis du tout, qui était bon. J'en ai jeté plein, vraiment. J'ai jeté un sac entier de vernis. C'était des vernis Dior, Chanel et tout. J'avais tellement le seum. Mais ça faisait tellement longtemps que je les avais. C'était plus bon. Ça se voyait, ça se sentait. C'était... Voilà, j'étais vraiment trop dégoûtée. Donc bref, j'ai pris un bleu un peu... turquoise pastel
avec un rouge, avec un rose. Donc c'est la marque ici, donc c'est une bonne marque. J'ai pris ensuite une autre palette pour les yeux que j'ai pris en double sans faire exprès. Donc je sais pas quoi en faire de celle-ci, mais j'ai une petite idée. Je vais d'abord vous la montrer. Donc c'est une palette très 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 jolie de Make Up Revolution London. Donc vous avez tous ces fards là, ils sont trop beau. Donc si j'arrive à me la faire rembourser, bah je me la fais rembourser, mais je sais pas comment ça se passe pour les retours beauté privée. Sinon, si je peux pas me la faire rembourser, je vous la glisserai dans un des colis Vinted. Donc si vous achetez sur mon Vinted, je vous la glisserai dedans. Donc je mettrai au hasard dans un des colis et voilà. Donc ça sera pour vous, vous aurez une robe ou un habit ou je ne sais quoi, plus bah la palette. Voilà. Comme ça, ça fera plaisir à une abonnée. Ou pas, hein, ou à quelqu'un d'extérieur. Ça c'était à 9€ au lieu de 15, ça je me souviens du prix. J'ai pris ensuite un rouge à lèvres de la marque Nabila. C'est un rouge à lèvres merdique, je préfère le dire. Je l'ai essayé, ça bave de partout. Ça ne tient absolument pas. C'est, tu manges un truc, le rouge à lèvres part, alors que là avec celui-là par exemple de chez... comment ça s'appelle? Enfin bref, un peu comme NYX, tu vois. Je mange, il y en a encore sur mes lèvres. Là, je mange, il n'y en a plus. Vraiment, il n'y en a plus, on voit mes lèvres. C'est extrêmement moche, ça tient pas. Je vous conseille absolument pas, mais ça, je l'ai acheté à 1 ou 2€, je sais plus. C'était vraiment pour tester et je suis dégoûtée. Voilà, c'est de la merde. Ensuite, j'ai pris des Yankee Candle. Donc sur beauté privée, vous en avez beaucoup à moins 40%. Donc j'ai pris les Yankee Candle, deux comme ça, à coucher de soleil au bord du lac. C'est une très très bonne senteur. Moi, j'adore, donc... voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris ensuite un anti-cerne parce que j'en avais plus. Donc j'ai pris cette marque-là, c'est Revolution, Make Up Revolution London. Donc voilà, j'espère que la teinte sera bonne, j'espère que ça camouflera bien mes cernes. Et vous avez toujours mon lien de parrainage chez Beauté Privée. En vous inscrivant via mon lien de parrainage, vous avez une remise de 5€ ou de 10€ sur votre première commande. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est toujours pas fait, à passer commande si ce n'est toujours pas fait. Ça, ouais, ça, en gros ça vous fait ça gratuitement. Donc des petites bougies gratuitement, du make-up gratuitement, comme vous voulez. Donc voilà, je pense que ce haul est assez long. J'ai plus de salive. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit haul, bah, ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder sur Vinted, voilà, pour vendre vos habits que vous voulez plus. Moi je vends beaucoup de robes, alors c'est des robes qui valent de base 30€ environ. Donc je les vends 10€ ou 15€, ça dépend si c'est neuf ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sur mon compte Vinted. Donc cette vidéo était en collaboration avec la marque Capshi. Elle n'est pas sponsorisée par la marque. Je n'ai pas été payée pour ce partenariat. Je préfère encore le préciser. J'ai juste reçu les produits gratuitement, les produits que je voulais. Et la qualité est très très bonne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne. Juste ici, c'est toujours pas fait. Je vous mets une ancienne vidéo qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.